C'est comme une ficelle Picard, sauf que c'est du feuilleté à la place de la crème. Voilà. En fait. Grosso modo, c'est à peu près. Bon, madame, merci. S'il vous plaît, monsieur. D'accord. D'accord, merci, monsieur. J'ai depuis 45 ans repris cette affaire. J'ai appris le métier à Beauvais, chez monsieur Objoie. Et sur le parcours, j'ai voulu apprendre la pâtisserie sucrée et la cuisine pour justement étoffer un petit peu mon savoir-faire. Cependant, je peux vous dire qu'avec ce que je ne sais pas faire, on ferait encore une belle bibliothèque. La plus grande source de satisfaction, c'est de faire en sorte que les gens qui travaillent avec moi prennent du plaisir. Alors j'ai bien dit qu'ils travaillent avec moi, qu'ils ne travaillent pas pour moi, mais qu'ils travaillent avec moi, c'est différent. Et j'y attache beaucoup d'importance. La clientèle satisfaite, en permanence, et puis bien sûr mon environnement familial. J'ai d'ailleurs un de mes anciens ouvriers qui est installé à Crèvecœur-le-Grand, qui a même, je crois qu'il a 3 affaires aujourd'hui. Et pour ça, c'est pour ça que je me suis mis à faire des gros concours pour savoir où j'en suis au niveau de la formation, parce que c'est bien facile, on ne sait jamais comment on est pour former. Les concours nous disent si on est dans le coup ou pas, surtout que c'est des concours internationaux et j'y attache beaucoup d'importance. C'est jamais un aboutissement, c'est juste le droit de faire mieux. Ça nous oblige aussi à travailler dans une logique de concours permanente. Excusez-moi, monsieur. Ça veut dire l'hygiène, ça veut dire la qualité. Ça veut dire la façon de recevoir les clients et de les servir. Tous les mois, j'ai besoin de 2 produits nouveaux au magasin. Alors, je cherche, je me base aussi sur le résultat des concours pour améliorer chaque fois que c'est possible, et c'est toujours possible. Et j'ai besoin de trouver des nouvelles recettes, au moins 2 recettes par mois pour apporter du nouveau dans le magasin pour la clientèle. Alors je vais les faire un petit peu plus épaisses, comme ça il en profitera mieux. Ça vous fait 11,77 €, madame.
de la maison. Ah si, combien vous avez dit ? 11,77 euros, si vous voulez, madame. C'est pour ça que les gens qui travaillent avec moi, je les sens. Vous arrangez ? Oui, madame, je vous remercie. Un appareil qui va nous faire gagner du temps. Alors, 50. 60. 70. Je ne vais pas avoir les 77 euros. Non, en général, dans nos métiers, ça fait crête. Et voici, madame.